Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, on me l'a souvent demandé sur mon cochon d'Inde. Voilà, donc là je viens de la changer. Voilà, je l'ai mise dans la cuisine car je peux mieux la surveiller. Donc là voilà, bonjour Punchy, vous la voyez souvent dans mes vidéos. Voilà, donc là je viens de la changer et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire une mini vidéo sur mon cochon d'Inde, tout simplement. Voilà. Donc là, elle s'amuse, elle a envie de rentrer, mais je me suis dit, là, c'est le moment de faire une petite vidéo. Voilà, je vais vous montrer. Il n'y a pas grand-chose à montrer. Là, je lui ai remis donc, sa litière propre avec du foin, des graines. Voilà, une poire. Je vais lui donner des tomates, de la salade. Je vais vous montrer au passage, si vous prenez un cochon d'Inde. On ne sait jamais, il faut des vitamines C, il faut leur donner tout le temps de la vitamine C, mélanger donc dans le biberon, enfin c'est à mélanger dans 1 litre d'eau, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, moi ce que je lui donne, c'est cette marque-ci, vitamine C, c'est la Francodex Santé Animale, voilà, aliment complémentaire, donc entretien, voilà. Donc ça c'est vraiment à chaque biberon. Il faut vraiment l'utiliser tous les jours, hein, pendant toute la vie de votre cochon d'Inde. Hop, 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 pas de bêtises, s'il te plaît. Alors surtout, pareil, faites bien attention que votre cochon d'Inde ou votre rongeur ne grignote pas les prises électriques et tout ce qui est bois, etc. Hein. Ça, faut bien bien faire attention. Hein. Voilà, donc moi je la surveille en même temps. Donc je vous parle donc de la vitamine C. Il faut vraiment leur donner tous les jours. Couvre les besoins des cobayes en acide ascorbique. De plus, il faut veiller à leur donner une alimentation équilibrée. Agiter avant usage, etc. À l'aide du gobelet, là vous avez un petit gobelet. Alors, à l'aide du gobelet doseur, versez 5 ml de vitamine C. Vous avez une graduation ici. Dans leur eau de boisson, donnez vitamine C tous les jours. En période de convalescence, si le cochon d'Inde a été malade, triplez la dose, soit 15 ml dans 1 litre d'eau de boisson pendant 10 jours. En période de gestation, donc pour les femelles, et lactation des femelles, triplez la dose, etc. Donc voilà, vous avez évidemment une date de conservation dessus. Hein. Alors, valable avril 2018, c'est pas possible. Moi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc ça doit être la date. Bon, je vais vérifier. Ça va être peut-être à l'intérieur. Open, ouvrir. Voilà. Moi, je lui donne actuellement les graines de chez Carrefour. Ça dépend, il y a des fois, elle n'en veut pas. Elle aime aussi celle de chez Truffaut, pardon. Donc, j'ai oublié de vous dire, cette vitamine C, je l'ai achetée chez Truffaut. Vous l'achetez en animalerie. Vous avez aussi des compléments alimentaires sous forme un peu de granulés. Mais ça, je vous le déconseille fortement car les cochons d'Inde trient. Moi, à chaque fois que j'ai eu un cochon d'Inde, ils ne les prennent pas. Et comme il leur faut de la vitamine C tous les jours, il vaut mieux leur donner sous forme de boisson, hein, dans leur boisson, tout simplement. Voilà, je vais vous faire voir ce que je lui donne d'autre en aliments frais. Donc là, il y a une poire. Voilà, je lui ai mis deux petites tomates cerises. Mais bon, vous pouvez couper des quartiers de tomates, hein, surtout bien les relaver, hein, tout simplement. Voilà, alors quand ils sont bébés, demandez bien à l'animalerie, c'est pas la même alimentation. Pour les graines, ce sera du premium, je crois, si vous achetez un cochon d'Inde qui est tout jeune. Mais bon, il vaut mieux demander à l'animalerie ou à l'éleveur, tout simplement, hein, quand vous achetez votre animal. Voilà. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour, petit? Hein, tu dis bonjour? Voilà, vous la voyez souvent dans mes vidéos et on me l'a souvent demandé cette petite vidéo. Donc voilà, hein, c'est tout simplement, on la voit s'amuser, vous voyez. Là, on l'entend un peu faire des petits cris. Bob, 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 bob. Bah, je te surveille que tu fasses pas de bêtises, hein.
Là, elle a le flash, alors ça lui fait peut-être mal aux yeux. Alors, par contre, c'est pareil, leurs griffes, il faut souvent leur couper leurs petites griffes. Alors, moi, je vous conseille de tenir votre cochon d'Inde dès que quelqu'un d'autre lui coupe les griffes. C'est un ciseau, ce sont des ciseaux spéciaux aussi. Voilà. Et moi, je vais lui donner ensuite 2-3 mini carottes. Voilà, j'ai fait tomber ma bouteille. Baby carottes, prêtes à croquer. Voilà, je vais lui en donner deux ou trois. Il faut changer tous les jours tout ce qui est frais, tout ce qui est aliments frais, que ce soit salade, tomates, etc., poire, etc. Voilà, donc moi je mélange la vitamine C, j'ai oublié de vous dire, dans 1 litre d'eau. Donc ça fait 1,5 litre, il me semble. Voilà, dans 1 litre d'eau, donc vous mélangez par rapport au doseur, hein. Voilà, ne la mettez pas au réfrigérateur, mais pas dans un endroit chaud non plus. C'est à température ambiante. Tu fais coucou? Il fait, oh, bah dis, tu fais un petit cri là. Oh. Et ils adorent aussi les fleurs de pissenlit et les feuilles de pissenlit. Mais il faut faire attention car bien souvent, ceux que vous ramassez peuvent être traités. Donc il faut vraiment avoir confiance. Si vous avez un jardin et que votre pelouse n'est pas traitée, vous pouvez leur en donner. Mais surtout ne pas leur donner du pissenlit si vous ne savez pas, mettons sur la route, si il y a eu un engrais ou pas. Car ça peut les faire mourir. Et ensuite, je vais lui donner de la mâche. Voilà, de la mâche de Carrefour. Voilà, moi, bien souvent, je prends de la salade comme ceci en sachet. Donc ça, c'est pareil, il ne faut pas leur en donner beaucoup, hein. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre sur mon cochon d'Inde. Bon, la cage n'est pas très grande. Le mieux, c'est d'avoir une cage plus grande. Voilà, ça faudra par la suite que j'aille. Enfin, le mieux de toute façon, c'est de les faire courir tous les jours, hein. Voilà. Les caresser, surtout, ça a besoin de beaucoup de tendresse. Et bien vérifier les ongles, car elle a vraiment un souci de ce côté-là. Ça pousse vraiment très 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 vite. Voilà, ces petites griffes poussent relativement vite. Donc voilà, c'était vraiment une mini vidéo sur mon cochon d'Inde. Ça m'a été souvent demandé. Et là, je me suis dit, bah pourquoi pas vous la faire aujourd'hui, car on la voit pratiquement tout le temps dans mes vidéos, hein. Donc je me suis dit, le mieux, ce serait de faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Donc je vous remonte, Francodex. Le mieux, comme je vous dis, c'est de prendre en solution buvable comme ceci, en espèce de pastille de vitamine C, car bien souvent, j'ai cru qu'elle faisait une bêtise, bien souvent il ne décroque pas du tout. Et il faut impérativement que le cochon d'Inde ait de la vitamine C quotidiennement. Mais attention, quand ils sont bébés, alors moi là, elle aime bien que je lui mette des graines un peu sous sa petite maison et dans son petit mangeoir, qui est d'ailleurs abîmé, il va falloir que je le change. Voilà. Mais quand ils sont bébés, demandez bien, c'est pas la même alimentation. Au début, il ne faut pas du tout leur donner d'aliments frais. Voilà, je préfère le préciser. Et pour nettoyer le biberon, il faut acheter aussi, sinon le biberon verdit un petit peu, hein. Il faut acheter un goupillon comme ceci, un goupillon à bouteille, hein, tout simplement. Moi, je l'avais acheté à Truffaut, celui-ci, hein. Un goupillon basique, hein, tout simplement, mais qui ne sert que pour votre biberon de cochon d'Inde. Voilà. Et puis changer l'eau tous les jours, hein, tout simplement. Avec surtout à chaque. Ça, c'est vraiment très important, car moi, au début, je ne savais pas qu'il fallait leur donner quotidiennement la vitamine C. Et moi, je pensais que c'était que quand ils étaient bébés. Et non, l'animalerie m'ont bien dit, c'est toute la vie de votre cochon d'Inde, tout simplement. Voilà, car le cochon d'Inde est très très fragile. Il ne faut pas de courant d'air. Voilà, pas de forte chaleur, évidemment, hein, si vous partez en voyage, faites bien attention, en voiture, etc. Voilà, je ne vous ai pas montré les ciseaux pour cochon d'Inde. Je vais vous montrer. Oh, vous avez vu sur la poubelle, désolé. Alors, je vous montre les petits ciseaux. Donc là, ils sont à l'envers quand on les a utilisés hier. Voilà, ce sont donc des ciseaux comme ceci de la marque Fairplast, nail cutter, vous voyez.
Apparemment, ça peut faire pour chiens, chats, ça peut faire pour tous les animaux. Voilà, ce sont des ciseaux comme ceux-ci que j'avais acheté chez Truffaut. Donc pareil, il faut les désinfecter relativement souvent avec un petit sopalin et de l'alcool, tout simplement. Et ne pas couper trop près. Faut pas trop couper non plus car il y a des veines dans les griffes. Ah, j'ai cru qu'elle était partie. Pour ne pas que ça saigne. Voilà. Voilà, bah écoutez, je crois qu'elle est impatiente de rentrer dans sa cage pour manger. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette brève vidéo sur mon petit cochon d'Inde qui là veut partir. Oh, là, elle commence à en avoir un petit peu marre. Puis je ne veux pas trop la laisser dans la cuisine non plus. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ah là, elle est en train de s'énerver. Bye bye! Tu dis au revoir, Crunchy? Dis au revoir. Oh là, je sens que tu vas faire des bêtises. Tu dis au revoir? Allez, au revoir! Au revoir à tous!